Éternel, notre Dieu, notre Père saint et céleste, tu nous as permis de vivre une semaine d'ouvrages divers sous ta garde et ta protection. Nous déposons maintenant à tes pieds le résultat, les fruits de ces bénédictions reçues en abondance. Nous les déposons sous forme d'actions de grâce parce que ta générosité n'a eu aucune limite. Nous les déposons sous forme de paix parce que toutes nos inquiétudes ont été transformées en moments de sérénité avec toi. Nous les déposons sous forme d'amour parce que tu nous as appris à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Nous les déposons sous forme de joie parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir Jésus pour frère et ami. Non, il n'y a pas eu de limite à ta générosité, Seigneur. Il n'y en a eu que dans notre champ de vision. Sans doute sommes-nous passés à côté de tout ça. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, pardonne nos manques. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette assemblée composée de tes enfants et que la main de notre Sauveur Jésus-Christ soit sur nous tous. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Puissions-nous, comme Ésaïe le prophète, en ce saint jour, proclamer « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. » Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Nous te prions de bénir les autorités établies dans ce pays de la France métropolitaine, ainsi que dans les territoires et départements ultramarins. Bénis ce gouvernement et toutes les instances législatives et exécutives de notre pays, que la sagesse et le bon sens puissent prévaloir. Bénis les instances dirigeantes des nations de cette planète, particulièrement celles les plus touchées par cette pandémie. Les États-Unis, le Brésil, le Pérou, la Russie, le Royaume-Uni et tous les pays européens. Accorde une grâce spéciale aux personnels soignants du monde entier. Ils sont au bord d'une dépression généralisée. Que ta main les préserve en bonne santé. Maintenant, Seigneur, agrée le message qui va suivre, ainsi que le messager qui nous portera ta parole. À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, soit le règne et l'autorité suprême par la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Amen. Besoin d'être aimé d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Je suis mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut,
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Répandis pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Chères sœurs, chers frères, bonjour et je vous souhaite un bon sabbat. Je vous écris depuis votre futur. C'est ainsi que commençait le 3 mars dernier une lettre de l'écrivaine italienne Francesca Melandri à tous les Français. Puisque les Italiens avaient été largement contaminés du Covid-19 avant nous. Elle parlait de notre avenir proche. Puis elle terminait sa lettre par ces mots. Si nous tournons le regard vers le futur lointain, celui qui nous est inconnu, et leur était inconnu à eux aussi. Alors, nous ne pouvons vous dire qu'une seule chose, disait-elle, lorsque tout sera fini, le monde ne sera plus ce qu'il était. 3 mois et demi plus tard, partout et constamment, on entend dire cette phrase, « Le monde ne sera plus comme avant ». Mais comment le sera-t-il donc ? Pour beaucoup d'experts du monde du travail, les crises sont devant nous. Si vous en doutez, demandez aux entrepreneurs et aux commerçants et aux agriculteurs parmi nous. Dans le domaine social, les secousses sont encore à venir. En effet, ces crises financières et économiques entraîneront des crises sociales en cascade. Les revendications se multiplieront, les poursuites en justice aussi, les demandes de hausse de salaire de même. Oui, le monde ne sera plus comme avant. Cependant, pour d'autres, le monde d'après, comme ils le disent, sera plein de renouveau, un monde meilleur est annoncé. Ils parlent d'une prise de conscience, d'un réveil, si vous voulez. Et pour la parole de Dieu, le monde de demain, comment sera-t-il ? Interrogeons le prophète Ésaïe, au chapitre 21. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Comme il n'y a pas de contexte clair, permettez-moi donc de contexte clair à ce texte, je veux dire, permettez-moi donc de lire ce texte dans le contexte actuel en faisant une application large pour notre époque. Sentinelle,
Que dis-tu de la crise ? Sentinelle, que dis-tu de la crise Covid-19 ? La sentinelle répond : le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez savoir, posez-vous des questions, convertissez-vous et revenez à l'Éternel. D'abord, un mot sur la sentinelle. Dans les temps anciens, comme au Moyen-Âge, les sentinelles devaient de rassurer les habitants du village. En France, la sentinelle passait dans les rues et disait à chaque heure de la nuit « Oyez, oyez, braves gens, il est minuit !» Où il est telle autre heure, jusqu'ici tout va bien, dormez en paix. Chez nous, les adventistes, depuis longtemps, nos oreilles se sont habituées à entendre dire « Il est minuit moins une, le Seigneur est sur le point d'arriver ». Je crains que nos oreilles ont compris « Oyez, oyez, braves frères et sœurs, il est bientôt minuit, jusqu'ici tout va bien, dormez en paix ». On l'a tellement bien compris que chaque année, nous avons besoin de publier un réveil pour nous sortir un peu du sommeil. Oh, juste le temps de prendre le petit déjeuner avant de faire la sieste. Oui, le monde ne sera plus comme avant. Mais comment sera-t-il ? Le monde de demain doit changer pour faire face à des défis à peine imaginables. En octobre dernier, on dit qu'elle allait trop vite. Elle ne cessait d'accélérer sa course à la production, à la consommation, au plaisir des sens. Tout à fait récemment, l'actrice française Juliette Binoche a initié une tribune libre avec 200 artistes et scientifiques. Madonna, Robert De Niro, Isabelle Adjani, Yann Arthus-Bertrand. 200 artistes et scientifiques du monde entier lançaient dans Le Monde, le journal Le Monde, un appel contre un retour à la normale après la pandémie de coronavirus, souhaitant une transformation radicale du système contre le consumérisme. Il nous semble inenvisageable de revenir à la normale, écrit ce collectif. Une transformation radicale s'impose à tous les niveaux. La catastrophe écologique en cours relève d'une métacrise, car le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même, celle des végétaux, celle des animaux et celle d'un grand nombre d'humains. La pollution, le réchauffement de la planète, la destruction des espèces naturelles mènent le monde à un point de rupture. Alors, le collectif appelle donc solennellement les dirigeants et les citoyens à s'extraire de la logique intenable qui prévaut encore pour travailler enfin à une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies. Une transformation radicale s'impose à tous les niveaux. Elle n'aura pas lieu, disent ces gens-là, sans un engagement massif et déterminé, car c'est une question de survie autant que de dignité et de cohérence. Vous avez entendu, frères et sœurs ? Transformation radicale. Et l'Église dans tout ça ? Cette expression était dans la Bible depuis des millénaires. On l'appelle la repentance et la conversion à Jésus-Christ. Les Bibles les plus récentes, d'ailleurs, traduisent le mot « conversion » par transformation radicale. Venons à notre actualité, à nous. Vous êtes nombreux à me demander qu'allons-nous faire ? Quand allons-nous rouvrir les églises ? Regardez les autres, ils commencent à ouvrir déjà leurs églises. Permettez-moi de vous dire, chères sœurs, chers frères, que je ne souhaite pas que les églises adventistes de la Réunion rouvrent ses portes si c'est pour recommencer la même routine qu'avant. Comme d'autres prédicateurs à cette même tribune, je vous rappelle qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et il est aussi écrit « Comme cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. Or, ça fait 2000 ans que l'apôtre disait ces choses. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Notez, dans le verbe réveiller, il y a le verbe veiller. Alors là, je vous amène dans Marc, au chapitre 13. Voici ce que Jésus disait après avoir parlé des signes des temps à ses disciples. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, pendant un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Notez bien cette petite phrase. « Ce que je vous dis, disait Jésus à ses disciples, je le dis à tous. Veillez. Tous, moi, vous, nous sommes concernés. Pourquoi donc ? Il part, il laisse sa maison. Mais est-il parti en congé ? Délaisse-t-il sa maison ? Non, il est parti en laissant sa maison aux soins de ses serviteurs. Vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 2, verset 19, où il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. » Ainsi donc, le texte nous dit que Jésus, en partant, il a remis l'autorité à ses serviteurs, en indiquant à chacun sa tâche. Dans cette parabole, Jésus décrit notre responsabilité. Il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche. Quelle est ma tâche ? Quelle est votre tâche ? En tant qu'adventiste, nous attendons le retour du maître. Dans cette parabole, le maître ne dit pas seulement d'attendre, mais de s'occuper de sa maison. Quand il viendra le matin ou à midi ou le soir ou au milieu de la nuit, il veut trouver les gens de sa maison actifs et utiles. Bien sûr, il est question ici d'une métaphore, d'être tout le temps spirituellement actif, alerte, conscient. J'aimerais illustrer la chose de la manière suivante. Quelle est notre responsabilité ? On raconte que dans le Connecticut aux États-Unis, lorsqu'il y avait eu le fameux jour obscur en 1780, lorsque le soleil avait perdu complètement sa lumière et que, en plein matin, il faisait absolument sombre, on raconte qu'il y avait une réunion de la législature du Connecticut. Et devant cette noirceur qui est tombée comme cela, les gens se posaient des questions et d'autres disaient « c'est la fin du monde ». Un membre du conseil des gouverneurs, Abraham Davenport, devint célèbre pour sa réponse aux craintes de ses collègues. Il a dit « Monsieur le Président, je suis contre l'ajournement de ce que vous proposez, puisque les gens ont peur. Soit c'est le jour du jugement, soit ce n'est pas le jour du jugement. Si ce n'est pas le jour du jugement, il n'y aura pas de raison pour un ajournement de notre assemblée. Mais si c'est le jour du jugement, je choisis d'être trouvé faisant mon devoir. Je souhaite donc, Monsieur le Président, que nous utilisions des bougies. » On a fait venir des bougies ce jour-là. Et le travail de l'Assemblée législative a continué. Le courage de Davenport fut immortalisé dans le poème « Abraham Davenport » par John Greenleaf Whittier, si jamais vous voulez le voir sur Internet. Des bougies ont été allumées, malgré la noirceur, pour continuer le travail. Le monde est aujourd'hui dans la noirceur. Allons-nous continuer le travail ?
Écoutez ce qu'écrit un pasteur dans un des numéros récents de Adventist Today. Tandis que nous avançons vers le retour de Jésus, il y aura des désastres, des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre dans beaucoup de pays. Il y aura de faux Christ et des corruptions politiques et religieuses. Où seront les adventistes? Alors le pasteur disait, « J'espère de tout mon cœur que les adventistes ne seront pas parmi les trouillards annonçant la fin du monde, mais bien plutôt avec des bougies allumées, en travaillant dans la société en faveur du maître, qu'ils viennent maintenant ou qu'ils viennent plus tard. » Il y a une citation que l'on attribue à Ellen White qui dit « Vivons comme si Jésus venait ce soir, mais faisons des projets et des plans comme s'il venait dans 20 ans. » Pour Davenport, il a demandé que des bougies soient allumées afin qu'on puisse continuer à travailler. Comment, nous, nous allons garder nos bougies allumées? Vous êtes la lumière du monde, avait dit Jésus. Allons, allez, dites à ceux qui veulent nous écouter et qui veulent vous écouter que les temps sont solennels. Demain ne sera plus comme avant, certes. Mais la prophétie d'Ésaïe disait, le matin vient, alléluia, mais la nuit aussi. Dites à ceux qui veulent écouter, car ils sont nombreux à se poser des questions plus ou moins inquiètes. Dites-leur ce qui est écrit dans le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous, comme moi, nous savons que ce n'est pas Dieu qui a envoyé le Covid-19. Mais il est grand pour utiliser même une pandémie pour arrêter le monde. Si nous ne voulions pas nous arrêter, eh bien, il l'a utilisé pour nous arrêter. Vous savez, il y a un mot dans la missiologie. La missiologie, c'est l'étude de ce qui correspond à l'évangélisation et comment est-ce qu'on peut mieux apporter la parole de Dieu. Il est dit qu'en temps de crise, chez un être humain, son cœur, sa conscience, son âme est prête à entendre une parole de réconfort. Quand il y a crise dans la société, c'est toute la société qui, pendant un court moment, pas longtemps, 2 mois, 3 mois peut-être au maximum, s'interroge, se pose des questions. C'est durant ces périodes-là qu'il faut que les bougies soient allumées, que les lumières du monde que sont les chrétiens s'allument vraiment, éclairent vraiment, veux-je dire. Le temps est favorable. Même si Ellen White avait prédit que ce que nous n'avons pas fait dans les temps faciles, nous aurons à le faire dans les temps difficiles. Mais prenons la chose à cœur. Cette crise n'a pas que de mauvais aspects. Oui, nous souffrons, nous allons souffrir de plus en plus. Mais les disciples du Christ sont la lumière du monde. Et plus il fait noir, plus la lumière brille. Parce que les disciples du Christ ont reçu des lumières sur les prophéties et sur les temps de la fin. Ne sommes-nous pas disciples du Christ? Oui, le monde ne sera plus comme avant. Les gens du monde le disent, mais les disciples du Christ le savent bien. Il y a un monde nouveau qui arrive, le Maître revient. Dès qu'il sera prêt, il revient. Il n'y aura pas une seconde de retard. Les disciples du Christ ont l'intelligence des temps, connaissent les prophéties des temps de la fin. Les disciples du Christ réalisent le précieux trésor qu'ils ont reçu du Seigneur. Vous vous rappelez ces 4 lépreux dans 2 Rois au chapitre 7? Il est écrit, ces lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent l'argent et l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Je vous rappelle qu'il y avait la famine dans la ville, parce que les ennemis avaient fait le siège de la ville. Mais voilà que pendant la nuit, le Seigneur était intervenu, et puis s'était entretué, et d'autres s'étaient sauvés.
Alors, devant ce qu'ils étaient en train de faire, tout d'un coup, ces lépreux ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas garder pour eux la bonne nouvelle. Le verset 9 dit « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. » En ce jour-là, continue le texte, de la situation de famine où se trouvait le peuple, il y eut une abondance miraculeuse. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine, pas loin de 25 livres de farine, pour environ 40 centimes d'euros. Et si le temps du butin est arrivé, après de longues années de faibles moissons ici à La Réunion, je sais que le temps est venu de changer, pas de message, mais de méthode. Chers frères et sœurs, l'Église, c'est d'abord dans ma maison. Comme les chrétiens dans le livre des Actes qui persévéraient dans la parole de Dieu, dans la prière et dans le partage des repas dans leur maison, continuons l'Église chez nous. J'appelle chaque famille à continuer à organiser des réunions de prière chez elles. Pour ceux qui ne peuvent pas organiser ces rencontres, invitez vos voisins et amis à venir entendre chez vous parler de Jésus dans vos maisons en continuant sur le site restonsunis.com auquel la majorité d'entre vous maintenant est bien habituée. Quand rouvrirons-nous les églises, dites-vous? Le moment viendra plus vite que vous ne croyez. Mais d'abord, soyons l'Église. Depuis 2 mois et demi, nous sommes l'Église chez nous. Pendant des années, nous nous étions occupés et nous nous préoccupions par l'Église bâtiment, budget, construction, réparation, réaménagement, entretien, programme, événement, quel responsable ? Qui s'occupe de la conciergerie? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Oh, il est temps de laisser ouvertes les portes de l'Église chez nous. Il est temps d'ouvrir les portes de nos cœurs. Il est temps d'ouvrir les portes de nos finances et de nos projets. Il est temps de vivre selon la connaissance que nous avons de la prophétie. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Criez Ésaïe. Le matin vient. Alléluia, Jésus revient, l'étoile du matin. Mais la nuit aussi, veillons. Il est écrit, le Seigneur revient. Terminons avec ce texte d'Ésaïe au chapitre 30, au chapitre 60. Pour moi et pour vous et pour moi, écoutons cette parole et prenons des décisions. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et cette gloire n'est pas celle dont on parle dans les médias, il s'agit de cette gloire dont on parle dans l'univers tout entier. Chères sœurs, chers frères, oui, le monde ne sera plus comme avant. Et vous, et toi? Voulez-vous demander à Jésus de vous donner la victoire sur la routine de votre vie, sur l'assoupissement spirituel, sur le confort dans lequel vous vous êtes peut-être installé? Prions ensemble. Notre bon Père, que ton nom soit béni de ce que tu as choisi les choses folles de cette terre pour confondre les sages. Ici à l'île de La Réunion, nous sommes un tout petit groupe, une ultra-minorité, et très possiblement avec des complexes d'ultra-minorité. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour relever la tête et nous souvenir que si nous sommes un petit troupeau, tu es le Dieu infiniment grand. C'est avec 12 disciples que tu as choisi de bouleverser la terre. Un s'est retiré, mais les 11, accompagnés d'autres, ont vraiment bouleversé la terre.
grâce, un renouvellement de ton amour vis-à-vis d'eux. Tu les as baptisés de l'Esprit-Saint. Notre Père, ce week-end est appelé un week-end de Pentecôte par les chrétiens en général. Que cela soit pour nous aussi un renouvellement de la Pentecôte. Seigneur, nous confessons notre indignité, nous confessons notre incapacité de réussir quoi que ce soit. Mais tu nous as dit, Seigneur, que si sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous de nos défaites, relève-nous de nos paresses, relève-nous de nos tiédeurs. Nous avons entendu ta parole. Nous ne voulons pas partir comme les Israélites à la montagne des Horiens pour être défaits. Mais nous voulons attendre en silence le secours de l'Éternel et au moment convenable, Seigneur. Aller vers nos voisins, vers nos proches, vers ceux qui sont autour de nous. Ne pas attendre qu'il y ait un bâtiment, qu'il y ait un programme, qu'il y ait des dirigeants, qu'il y ait des prédications particulières. Mais que chacun d'entre nous, et moi je veux en être le premier, de témoigner, chacun d'entre notre côté, dans notre petit coin sombre, mais briller, briller de la lumière, de l'évangile, de la certitude que tu as vaincu le monde, Seigneur Jésus, et que nous n'avons à avoir peur de rien ni de personne. Seigneur, envoie-nous dans le champ pour parler de toi, pour parler de la bienheureuse espérance, du pardon par le sang de Jésus, d'un renouvellement complet. Les maisons peuvent être en meilleure santé, les familles peuvent être en meilleure santé, les relations humaines, en dépit de tous les problèmes économiques et sociaux. Seigneur, oui, relève-nous, fais-nous du bien et renvoie-nous dans la mission. Au nom de Jésus. Amen.